qu'à sortir, nous parler avec tout le monde dans la société civile. Tout le monde dans la classe politique. Là. Aujourd'hui, nous parler avec la communauté internationale. Là. Nous parler avec M. Ariel Henry et nous dire la figure que jusqu'à présent, pour le secteur démocratique et populaire, il n'est pas premier ministre. Nous ne pas reconnaître les premier ministre. Et nous ne pas reconnaître aucun premier ministre, tout autant pas avoir un accord politique. Et nous dit le matin en tout avec la communauté internationale là que nous rapportons. Nous dit pour le secteur démocratique et populaire, 7 juillet 2021, ils ont assassiné Jovenel Moïse. Et comme Jovenel Moïse a écrasé toute institution dans le pays, il a écrasé le pays, je dis que nous avons une situation exceptionnelle. Pour nous sortir dans cette situation, il faut qu'on consensus politique qui baille un accord politique. Accord politique, ça gagne une série d'éléments, une série de dossiers qui doivent en dedans accord politique. Ça, accord politique, ça, premier bagage, c'est que faut le battre un gouvernement consensus, c'est un gouvernement PHTK, un gouvernement comme si nous avons fait les mains sans être là, comme ministre de la Justice, nous conserver tout le gouvernement et puis obtenir l'élection. C'est comme si nous étions des imbéciles. Non, ça ne marchera pas comme ça. Un gouvernement de consensus, un gouvernement équilibré. Deuxième élément, nous disons nous-mêmes, nous voulons un gouvernement, un exécutif bicéphale. Nous disons communauté internationale là ça, et nous disons M. Ariel Henry ça, nous voulons un exécutif bicéphale, c'est-à-dire fort bon président, fort bon premier ministre, et c'est conforme à la Constitution, c'est conforme aux lois de la République. Nous disons dans l'accord politique ça, une bagaille qui est fondamentale pour nous, c'est la libération des prisonniers politiques. Nous disons avec la communauté internationale la matin, parce que nous répondrons, nous disons avec M. Ariel Henry, qui n'est pas premier ministre parce qu'il n'est pas dans l'accord politique, mais qui occupait l'espace climatique, et le chicane de l'autre bord. Il faut qu'il y ait libération des prisonniers politiques. Et des prisonniers politiques, tant pour Anel Bélisère, tant pour Kili, tant pour Job et tout l'autre, qui est éparpillé à travers le pays, au Cap Haïtien, Jacques Mel, Nani, dans le plateau central, faut tous les prisonniers politiques soient libérés. Et nous disons ça, pas bien accord politique, si les prisonniers politiques ne sont pas libérés, et nous insistons sur ça. L'autre élément qui est important, nous parlons maintenant avec la communauté internationale et avec M. Ariel Henry, que nous ne reconnaissons pas comme premier ministre, mais qui occupe primature, c'est question d'élection. D'entrée de jeu, le secteur démocratique et populaire dit très clairement, nous-mêmes nous rejetons la parole élection dans la fin année 2021. Par aucune condition qui réunit pour une élection. Et dans l'accord politique, là, il faut qu'un conseil électoral crédible. Un conseil électoral honnête qui fait avec participation un ensemble de secteurs clés dans le pays. Un secteur tant pour la presse, ou pas qu'à faire conseil électoral pour le baladin. Un secteur tant pour FBH, la Fédération des barreaux de la République, qui sont un secteur très représentatif, ou pas qu'à faire conseil électoral pour le baladin. Un secteur tant pour les syndicats, pour la donne. Le secteur paysan, pour un conseil électoral là. Un secteur tankou, secteur vaudouisant, faut que la donne. Secteur droits humains, faut que la donne. Conférence épiscopale, faut que la donne. Etc. etc. C'est-à-dire que le conseil électoral faut équilibré. On parlait des organisations populaires. Oui, en dedans et conseil électoral. Bref, pour nous, faut qu'on conseil électoral. Le conseil électoral, ça, c'est lui-même qui pourra le faire en évaluation du processus électoral, qui pourra échanger question 4 des malheurs là, qui pourra dire maintenant qui période élection. Pour l'élection, on a fait l'année 2021, on a parlé, c'est nous dire folie à l'élection. Et nous dit, il y a un élément fondamental qui est dans tout accord politique, c'est la sécurité. Il faut casser les gants, il faut désarmer les groupes armés. Nous connaissons Jovenel Moïse, non seulement craser toute institution pays, mais avant de mourir, il a fait alliance avec gang pour craser le pays, pour violer le monde, pour tuer le monde, pour
voler bagaille monde, pour assassiner monde, voler pour désarmer groupe armé yo, faut écraser gang yo pour capable gagner condition qui réunit pour élection faite, le moment va arriver. Pas d'en faire aller. Nous dit nous attachés à question conférence nationale là. C'est là pour discussion faite. Parce que nous avons un système pesé sous ces qui s'y m'a émis dans quatre côtés pays, et puis au final assassiné Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Faut craser le système pesé sous ça. C'est une revendication du peuple là. Et c'est bien démocratique et populaire. Il n'y a pas jamais quitté la revendication du peuple là. Nous dit, une série de décisions, Jovenel Moïse te prend, des décrets te prend, il faut rentrer. Nous dit, les Jovenel Moïse prennent tes paysans, plateau central, la Tibonite dans le nord, faut reprendre tes paysans, on en met à peine, on va les paysans en zéro. Je n'ai pas accepté ça. Nous parlons avec l'oligarchie. Et ce jour, nous avons pris le combat d'oligarque et puis la folle des paysans, bah, grand nègre. C'est un menteur, c'est un bluffeur. Vous allez nous, pas qu'à faire confiance. Ok? Nous disons, tes paysans, je vais te prendre pour bah, peine, c'est pour reprendre tes paysans. Combat qui est fondamental. Nous disons, faut que la justice fonctionnelle. C'est important, le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il y a des juges d'instruction, il y a des juges honnêtes, il n'y a pas jamais nommé pour Jean-Wilder Morin, il n'y a pas jamais nommé comme juge d'instruction. Il n'y a pas de juge d'instruction qui est honnête, si SPJ dit au dernier travail, il n'y a pas jamais reconduit comme juge d'instruction. Nous disons, dans l'accord politique, ça y est, fort question ça y est adressée, parce que nous ne pouvons pas accepter pour juge d'instruction, juge qui est honnête, nous mettez en dehors, et puis qu'on y a ces juges de vous, la montagne, la marbellisée, la bandeau. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut que ça n'a pas politique là. Nous dit également, une série de gros dossiers de justice, il faut un accord politique là. Massacre à Saline, pour devenir un cochon, manger cadavre. Prenne action nous, que Jovenel Moïse a assassiné, faut pousser ça au fait. Nous dit, massacre Cité Soleil, que Jovenel Moïse te fait, avant d'être assassiné, faut pousser ça au fait. Massacre Belé, oui, faut pousser ça au penser. Massacre Delma 32, que Jovenel Moïse par avant y'a là, avant d'être là, faut pousser ça au fait. Possède, pas côté normal, que tout le monde suspecte. C'est Martine Moïse qui traîne à nous. Il faut que le procès avance. Nous disons procès de Boris Saint-Hilaire, que Jovenel Moïse, avec sécurité par la nationale, exécuté pendant l'école normale. Il faut que le procès avance. Nous disons, on est dans le petit blanc tatou, nous tous les connaissons. Ah, bon. Ils ont exécuté pendant le bras de la caille. Il faut que le procès avance. Nous ne pas céder en iota sur la revendication de la. Nous disons procès Petro-Caribé. Tout le monde connaît ce qu'on appelle Petro-Caribé. RTK, Matéli, Lalo, Elatrié. Faut procès ça avance. La mort, nous ne pouvons pas quitter procès ça à camper dans vous. Alors, en gros, secteur démocratique et populaire. Volambert, clair, on démarche. Garibaldo, on rencontre tout le monde pour un accord politique. Mais premier bagage, nous ne pouvons pas reconnaître aucun premier ministre, aucun gouvernement tout autant par un accord politique. Et à soi encore, nous ne pouvons pas reconnaître Ariel Henry comme premier ministre, parce que ce n'est pas nous qui mettons pas un accord politique. À soi encore, nous ne pouvons pas reconnaître aucun monde qui est dans le gouvernement. À soi encore, nous disons, je dis à mon vide politique dans cet État, pas le président, pas le premier ministre, pas le premier ministre. Nous clair sur ça. C'est la position du secteur démocratique. Et là, on a avancé. La police, il faut qu'on coupe de balai. On a été foulé au châle, on pense que nous n'avons pas de démission déjà. Nous ne pouvons pas comprendre la bataille. Nous avons porté les revendications du peuple pendant toute rencontre que nous faisons avec nous dans le secteur diplomatique, l'autre monde dans la société civile, l'autre monde dans la classe politique, avec monsieur Paoui, jusqu'à présent, occupé et fauteuil de Mathieu. Et nous engageons pour nous faire tout ça possible pour un accord politique le plus vite possible. Et nous, société civile, marché contre, prend responsabilité. Mais marché pour la vie.
marcher pour la vie, qui est la dernière génération, la fédération des barons. Nous la responsabilité, nous-mêmes, nous travaillons avec eux. Et nous, lorsque c'est des civils là, et écoutez, il faut qu'on travaille tout le monde, parce que pas aucune société civile qui a droit, qui a autorité pour faire une solution. Et nous disons l'autre monde politique, attention, il faut que tout le monde vienne mettre sur la table là. Nous n'avons personne qui a pu imposer aucune solution. Et nous disons, Ariel, ou même pourquoi le premier ministre, parce que vous avez un accord politique. Voilà la position que nous avons défendue aujourd'hui et avant-hier, au cours des différentes rencontres avec les secteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de cette démarche pour aboutir à cet accord politique. Merci la presse, c'est pour ça que c'est clair. Parce que nous, il faut plus de rencontres. Mais il y a des gens qui pensent que nous avons gagné la bataille peuple là, seulement dans la rue, hein. Nous avons utilisé l'arme de la dialectique. Ce Jovenel, nous n'avons pas utilisé. Parce que Jovenel, pas de parole, et il était fait un pire crime, il était fait un pire acte de population. Nous n'étions pas précis, nous pas chita avec. Et Ariel Wenchita, on ne peut pas dire ça. Le jour qu'elle va respecter le peuple, il va respecter le secteur démocratique. L'affaire des dérives, nous pas chita avec. Parce que nous-mêmes, nous pas chercher des émotions de pays. C'est pays n'a plus. Et c'est ça que fait nous dire. Il faut qu'on accord politique avant de reconnaître le gouvernement. Le gouvernement a sorti un accord politique, c'est tout le monde a participé là-dedans. Pas le gouvernement doit être gauche. Chercher quelqu'un de monde dans le monde. Nous ne pouvons pas reconnaître CEP qui l'a. Parce que c'est CEP, le peuple a fait confiance pour nous. Nous ne pouvons pas reconnaître Ariel qui n'a pas participé dans l'accord. Si tout le monde est d'accord pour Ariel, le ministre. Ça veut dire qu'il est important pour une saisie préoccupation du secteur démocratique. Tout marché, secteur marché dans votre monde, c'est pour permettre qu'elle vive avec un accord politique. Faites la fatigue. Faites la souffrir. Nous avons besoin d'activité reprendre. Nous voulons vivre. Jeunesse avait l'espoir. Nous voulons construire. Et nous voulons avec tout le monde. Nous voulons sécurité. Et c'est peut-être ça m'a profité l'occasion ça. Pour demander au groupe armé de poser ça. Nous ne pouvons pas théoriser la propre population par nous. Déposer les amours de la paix. Et c'est ça que nous avons cherché. Les gens qui ont un problème à la justice, nous cherchons un avocat. Mais déposer les armes parce qu'on ne peut pas faire ça pour les gens. Et c'est dans ce sens-là, moi je voulais que le peuple haïtien comprenne très bien. Dans quatre batailles, nous n'avons pas quitté une grande revendication. Nous considérons Ariel comme un acteur, même si elle est acteur. Parce qu'elles sont acteurs importants, ils occupent la primature. Bien fait. Ils sont acteurs importants, c'est d'ailleurs ignorer. C'est qu'ils n'ont pas compris rien dans la politique. C'est que nous sommes avec elle. Mais nous passons des 1 pouce dans la revendication. Et nous avons Ariel 1 poussière en termes de reconnaissance et de légitimité. On ne va pas nous pousser. Parce que tout ça, pour nous faire un public en nous accord et que le peuple a d'accord. Et c'est dans ce sens-là, moi, je voulais que le peuple haïtien continue à placer confiance dans l'STP. On a avancé, on a fait toutes les revendications en bas pour nous, mais on a moyen stratégique pour nous montrer qu'il y a construit l'autre pays. Parce que définitivement, nous voulons tout haïtien parler avec haïtien. Et c'est ça qu'on a fait. Et pour pas criminel, pas voler. Pour pas de mauvaises affaires, n'a pas l'air. André, une petite peuple là.